Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On continue les tirages astro pour ce mois d'octobre. Alors, on va faire comme ça, hop, hop, parce que là, les cartes après, elles tombent plus. Nous allons faire les béliers. Et voilà. C'est votre tour, mes chers béliers, de voir qu'est-ce que l'avenir vous réserve. Donc, on va faire comme tous les autres. Là, c'est un tirage général, voilà, déjà. Ensuite, pas sentimental, on fera le sentimental dans un second temps. Voilà, je ferai signe par signe, pareil, pour tout le mois d'octobre. Entre deux, il y aura sûrement le tirage de la lune que je vais vous faire. Et on va aller voir un message général avec les petites fées, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et univers, mes univers, à la source, pour les béliers. Voilà. Signe ascendant lunaire solaire pour ce mois d'octobre. Quels sont les messages des petites fées, s'il vous plaît, mes anges? Ah, elle a voulu venir, mais elle ne vient pas. Est-ce que vous pouvez me faire sauter une carte? Pour les béliers, signe ascendant lunaire solaire. Wow! Backflip! L'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Eh bien, ça tombe bien, on arrive en hiver. Voilà. Donc, on vous dit que si vous aviez des désirs, des souhaits, des nouveaux projets, voilà, des choses que vous vouliez que ce soit réalisé, patience, ça arrive. On est bientôt en hiver, donc c'est cool. Derrière, j'ai l'été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Alors, il faut savoir, hiver ou été? Bon, de manière plus générale, ça me parle d'être dans le processus d'un cycle pour vous les béliers. Voilà, vous êtes entre deux saisons, vous êtes dans le processus d'un cycle. On peut parler pour 6 mois, il y a des choses qui vont se dénouer peut-être pour certains pour 6 mois. J'aime pas donner une temporalité, mais vraiment j'ai cette notion-là de, voilà, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Mais restez confiants, tout arrive. On va aller voir quel est le petit ange qui vous suit, les béliers, sur ce mois d'octobre. Allez, quel est l'ange qui est aux côtés des béliers pour ce mois d'octobre-là? L'ange de la joie, c'est plutôt pas mal. Puis vous avez l'ange de la détermination en d'autres decks. L'ange de la joie, donc des projets, des hautes fréquences, du bonheur, des célébrations. Donc on va aller voir ce que nous dit votre tirage. Est-ce que c'est dans cette lignée-là? On va aller prendre le Rider-Waite, le Lightseer Tarot pour vous. Ça va bien se passer. On va bien me brasser parce que je les ai pas mal utilisés aussi pour les autres signes. Hop, hop. Voilà, on va couper comme ça. Voilà. Là, tac. Je fais un peu ma sauce. Hop, et on va recouper en deux. Comme ça, on ne pourra pas dire que c'est pas brassé. Alors, pour les béliers, signe ascendant lunaire solaire, quels sont les messages pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Le 8 de coupe, une introspection. On a besoin, vous avez besoin, les béliers, pour ce mois d'octobre, d'aller faire le point à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vibre encore en moi au niveau émotionnel, au niveau de mon âme, au niveau de mon cœur? Je vais faire ce chemin pour aller trouver ma lumière intérieure et aller voir et aller sonder un peu ce qui vibre en moi. Avec le cavalier d'épée, on vous dit que vous avancez rapidement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé vraiment ce qui fait vibrer votre âme, vous avancez rapidement. Le cavalier d'épée, il avance rapidement, il va aller essayer de convaincre. Vous voyez, vous allez essayer de convaincre un peu tout le monde que vous êtes légitime dans un projet, que vous êtes sur la bonne voie. Il y a une notion de crier sa vérité. Peu importe si ça fait mal à ceux qui sont en face ou pas. C'est la subtilité du cavalier d'épée, c'est-à-dire qu'il est un peu gauche. Il y va, il fonce comme un bélier, là, comme ça. Puis si ça fait des dégâts, s'il heurte des gens, il s'en fout, quoi. Voilà. Parce que vous avez fait ce travail de 8 de coupe avant et que vous êtes aligné dans votre vérité. Attention à ne pas blesser les gens de l'entourage non plus. Parce que c'est toujours un petit peu dommage. Vous avez ensuite le roi de coupe. Donc, vous allez être aligné, fidèle à vous-même, ancré. Peu importe les tempêtes, les tumultes, ce qui va se passer autour de vous. Vous allez pouvoir savoir rester très stable, en fait, dans votre vie. Parce que vous avez fait ce travail au niveau de l'âme, au niveau émotionnel, pour aller voir les projets qui vous correspondent, les personnes qui vous correspondent, de quelle situation vous devez partir, rester, quelle situation, je parle au sens large, je n'ai pas que dans du sentimental ou dans du pro, ça peut être familial, ça peut être un domicile, ça peut être, vous voyez, il faut vraiment voir large. En tout cas, vous allez vous reconnecter à votre âme. Donc ensuite, vu que vous savez ce que vous voulez, et ben vous foncez tête baissée.
Et vous restez très stable au niveau émotionnel. C'est-à-dire que peu importe ce que vont dire les gens ou ce qu'ils vont en penser ou ce qui va pouvoir se passer autour de vous, c'est égal. Vous êtes ancré et vous êtes posé. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez la joie, parce que vous vibrez au niveau de l'âme. J'ai l'impression que c'est égal si ça prend du temps, parce que vous êtes stable, vous êtes dans votre vérité, peu importe ce qui arrive, quoi. Regardez, j'ai encore le 3 de coupe derrière. Le 3 de coupe, c'est ni plus ni moins que la joie. Justement, la joie, le partage, les célébrations avec des personnes. Vous avez vraiment un mois d'octobre qui va être haut en couleur, j'ai l'impression, les béliers. Vous allez être... derrière, j'ai quoi encore? J'ai la reine de coupe. Donc, le fait d'être ancré, d'écouter ses intuitions... d'être connecté aussi à soi, à ses intuitions, le côté maternel, le côté non seulement intuitif, parce que la reine de coupe, elle sait ce qu'il y a dans son bol sans même le regarder, mais c'est aussi le côté maternel, le côté douceur, le côté communication, parce que vous êtes très ancré, vous, en fait. Vous voyez, vous êtes très ancré avec vous-même, quoi. En plus, j'ai le diable, mais qui tombe à l'envers. Et derrière, j'ai le 2 de coupe. Donc, ça, on peut avoir... Ouais, vous mettez vraiment... Alors, vous, le mental, j'ai l'impression que c'est... Vous l'avez dompté en 2, 4, 6, quoi, les béliers. Vous savez où vous allez, comment vous y allez. Vous avez des énergies hautes. Vous vous entourez d'énergies hautes. Et c'est pas grave si les choses prennent du temps. Vous savez que vous êtes dans votre bon droit, dans votre vérité d'âme, dans votre mission de vie... Voilà, parce que avant, vous faites quand même avec le 8 de coupe cette introspection. On va les compléter, regardez. Il y a des gros changements qui vont s'opérer et des changements qui vont être... c'est quelque chose d'important. Vous êtes en train de construire quelque chose de solide qui va être durable. On va vraiment vers une mission de vie, une mission d'âme. La bonne personne, le bon endroit pour vous, s'entourer des bonnes personnes aussi. Il y a vraiment le fait de construire quelque chose... J'ai l'impression qu'on va régler soit des grosses blessures d'âme ou soit changer complètement de comportement, de façon de faire, de façon de réfléchir pour acter d'autres choses dans notre vie, pour avancer différemment mais de façon durable et de façon équilibrée avec votre âme. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a des retours. Les retours, ça peut être des retours positifs. Moi, ce que j'entends, pas de retour en arrière. Voilà ce que j'entends avec cette carte. C'est-à-dire que on arrête d'être dans ce cercle vicieux de l'ourobouros, qui est le serpent qui se mord la queue et qui tourne en rond et qui sort jamais de ses schémas. Pour moi, là, vous allez vraiment convaincre votre mental, vous allez réfléchir différemment dans certaines situations et couper ce cycle, en fait. Sortir de situations qui tournaient en rond, qui étaient karmiques, toujours de la même façon. Tac, là, vous sortez, vous partez, vous prenez une tangente, en fait. On arrête de tourner en rond, quoi. Sur le roi de coupe, forcément, on a la sagesse qui tombe. Le fait d'être aligné, le fait d'être ancré, vous allez acquérir beaucoup de sagesse, ouvrir votre troisième œil, vous êtes en pleine élévation spirituelle, vous savez pourquoi vous allez dans ce chemin, vous savez comment vous y allez, vous ne vous précipitez pas pour prendre des décisions. La seule chose pour laquelle vous vous précipitez, c'est avec le cavalier d'épée, vous vous précipitez à casser une façon de penser, une façon de réfléchir, quelque chose qui ne fonctionnait pas, pour vous ancrer dans l'âme et dans le cœur, vraiment. Quand je parle du cœur, c'est vraiment au niveau émotionnel. Mais du coup, ça vibre avec votre âme et votre chakra du cœur, vous voyez. Et là, vous avez beaucoup de coupes quand même. Vous n'avez que des coupes. Donc, tout se passe dans votre chakra du cœur, les béliers. On se reconnecte à son cœur et à son âme. Donc, forcément, on est beaucoup plus sage. Ah! Donc là, j'en ai 2 qui tombent. Je vais quand même les prendre. On me parle de message et on me parle d'adversaire. Peut-être que vous allez recevoir des messages. Alors, pour certains, c'est particulier. Pour certains, vous êtes dans une triangulaire et vous allez recevoir des messages de cet autre-là. Ou de l'officiel, ou vous êtes... Enfin, bref, vous avez compris. Il y a une triangulaire et il y a un adversaire dans cette triangulaire qui va vous contacter. Il va y avoir des échanges avec cette personne. Voilà. Pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir des échanges avec des personnes de votre entourage qui ne seront pas forcément vos amis. Donc, faites attention dans vos amis, aux personnes qui vous laissent dans la joie, vibrer haut. Vous savez, on le voit vite, hein, quand on a des personnes qui ne sont pas nos amis, ils nous mettent tout le temps dans le bad. On est tout le temps dans un mauvais mood, en fait. C'est systématique, ils ont des trucs à redire, mais fais attention, on finit, on est dans le doute, ou alors ils aimeraient nous mettre dans le doute ou quoi, ou alors si on a confiance en nous, on ne va pas être dans le doute, mais ça va être tout le temps conflictuel parce qu'on est toujours amené à se défendre. Je pense que vous allez facilement le voir. Donc, attention, petit bémol. Regardez, quand je vous dis que vous avez l'âme, voilà,
Vous vous reconnectez à votre âme. Donc, vous êtes dans votre vérité. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous. Hein. Les adversaires, tout ça, vous allez très bien les voir. Mais regardez, derrière, on vous dit qu'il y a le mensonge hein, quand même. Il y a des personnes qui vont vous tromper, vous duper, vous mentir. Ou alors, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément des personnes positives pour vous. Vous voyez, il y a un peu toute cette notion-là. On va aller voir et compléter avec l'oracle des miroirs pour vous. Sur le 8 de coupe et l'éternité, regardez, on me parle d'amitié. Donc, ça me parle de s'entourer des bonnes personnes. Là, j'ai l'impression que vous allez faire le tri dans vos amis, les béliers. Vous allez faire le tri dans un entourage, vous allez faire le tri, voilà, parce que ça part de votre âme. Il y a des personnes qui n'ont plus les mêmes idées que vous, qui n'ont plus la même façon de réfléchir, qui sont plus dans le... Voilà, dans la même dynamique que vous. Vous allez vous délester de ces personnes-là. Allez peut-être vers d'autres personnes qui font plus partie de votre famille d'âme. Mais c'est OK. Par contre, c'est quelque chose qui va être durable. Vous n'allez pas revenir dessus, les béliers. Une fois la décision prise, c'est prise. J'ai l'impression que c'est très positif pour vous. Ça va se faire plutôt naturellement au final, hein, parce que vous allez aller scinder au niveau de votre cœur. Vous dites, bon, ben là, cette personne, chaque fois que je l'ai au téléphone, elle n'arrête pas de s'engueuler. Ou alors, à chaque fois que je l'ai au téléphone, je suis mal dans mes énergies, je suis basse. Là, moi, j'ai plus rien à voir avec elle. On est d'accord sur rien du tout. Et puis, c'est systématiquement compliqué. Je vais prendre celle-là parce qu'elle est tombée en premier. Je comprends pourquoi ils m'en ont fait tomber deux. On vous parle de chance. De couper avec un cycle là qui n'en finit pas, c'est une chance parce que ça va vous permettre de vous équilibrer, voyez, de trouver des compromis peut-être avec d'autres personnes dans certaines situations et d'une manière plus générale de vous équilibrer, voilà, d'être déjà en accord avec vous-même, vous voyez. Là, vous allez vous équilibrer, vous allez être en accord avec vous-même. Voilà, c'est-à-dire, c'est un peu comme si la tête et le cœur allaient être en accord. Vous allez avancer de consœur, beaucoup de stabilité du coup pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là pour les béliers pour ce mois d'octobre? La culpabilité. Alors, est-ce que vous culpabilisez d'écouter votre âme? Est-ce que c'est d'autres personnes qui vous montrent du doigt qui vous culpabilisent? Moi, ce que je ressens, c'est qu'on va essayer de vous culpabiliser, de changer de voie professionnelle, de changer de personne avec qui vous êtes, de changer, de déménager, de peu importe. Il y a un changement qui va arriver. Il y a des personnes qui vont essayer de vous montrer du doigt. Est-ce peut-être là ses adversaires, vous comprenez? Vous, j'ai l'impression que ça vous passe à 20 000, quoi. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous devriez. Mais sur le roi de coupe, en général, et en ayant la reine de coupe encore derrière, plus l'âme, j'ai juste envie de dire, vous vous en cognez le coquillard complet, quoi. Vous savez que vous êtes dans la bonne ligne de vie, tant pis si on parle pour moi. Voilà, donc on vous le dit, mais vous allez prendre tout ça avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul, parce que vous écoutez votre troisième œil et vos intuitions, et vous savez que c'est la bonne route pour vous, donc c'est OK. Et cette notion de voyager, de partir hein, aussi, hein, de prendre le large un petit peu sur certaines situations. On nous parle d'argent, on vous parle de roue de fortune. Peut-être qu'un entourage va essayer de vous conseiller par rapport à l'argent. Ce ne sera pas forcément des conseils qui seront bienveillants, j'ai envie de dire. Donc faites attention parce qu'on a quand même l'adversaire. En tout cas, vous allez pouvoir aller matérialiser cet argent. Parce que ça part déjà de vous. Vous êtes déjà dans une bonne dynamique, dans des bonnes énergies, vous vibrez haut. Et donc, en loi de l'attraction, vu que vous écoutez votre âme, vous allez attirer ça à vous aussi. On a la maison, la stabilité au niveau de la maison, au niveau du foyer. Peut-être on va revoir l'organisation de sa maison, le mode de fonctionnement avec les enfants ou autre. De manière plus générale, ça me parle d'être bien assis chez soi, d'être en sécurité chez soi. Mais son chez soi, c'est aussi sa maison intérieure, son corps, son âme, son être. Donc, beaucoup de stabilité pour vous les béliers à venir. Parce que vous prenez des choix et vous allez scinder votre âme et vous allez sortir d'une spirale là qui n'était pas bénéfique pour vous et aller vers quelque chose de différent, une autre façon de penser, de réfléchir, un autre projet pro, une autre personne dans votre vie, peut-être couper avec des liens de votre famille ou vos amis, peu importe, hein, vous voyez les personnes avec qui vous avez besoin de couper, qui vont peut-être essayer de vous culpabiliser, mais vous, ça, vous allez prendre ça à 20 000 au-dessus. Hein. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, avec les artisans de lumière, là, pour les béliers, signe ascendant lunaire solaire? Quels sont les conseils pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre? Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes? Et c'est parfait qu'elle tombe en carte conseil, parce que c'est exactement le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, il n'en est pas à aligner sa vie.
Le 8 de coupe, il en est à aller voir à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui n'est plus aligné à sa vie. Et derrière, prendre des bonnes décisions pour s'en libérer, vous comprenez? Et là, c'est vraiment ce que vous allez faire, quoi. Là, c'est, on est sur quelque chose où on... Voilà. Parce que derrière, vous allez prendre la décision de trancher, de couper, voilà, de vous libérer de personnes toxiques qui ne correspondent plus à qui vous êtes, qui vous paralysent dans vos projets. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme est appelée à faire? Des gros questionnements pour vous, hein. Il y a vraiment une histoire de mission de vie, de mission d'âme qui revient. Donc, on vous dit, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. On a encore l'âme, on n'a que des coupes qui nous parlent d'émotions, de sentiments, surtout de chakra cœur. Peut-être des méditations de chakra cœur, porter des pierres vertes ou alors un quartz rose qui est le petit doudou du cœur. Voilà, vous voyez, vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur et d'être à l'écoute de votre âme, en fait, pour savoir qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce que vous devez quitter et vers quoi vous devez aller. Et la réponse est en vous, hein. Ça c'est sûr, mais j'ai l'impression que vous le savez déjà. Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Il y a peut-être des défunts aussi qui vous guident, comme il y a peut-être tout simplement juste l'esprit de Gaïa, l'esprit de la terre qui est là, les animaux, vous avez des guides spirituels, des animaux spirituels, voilà, on a tous des guides dans les animaux, dans les fleurs, dans les... voilà, on peut voir beaucoup plus haut. Il y a beaucoup d'énergie autour de nous. On peut faire appel à beaucoup de personnes. Donc, demandez l'aide de vos guides aussi, si vous ne savez pas, si vous n'arrivez pas à y voir clair dans une situation. Aidez-moi à prendre des bonnes décisions pour moi. Mettez sur mon chemin ce qui est bon pour moi. Le non. Attendez, remettre à plus tard. Faites une pause, dites non. Voilà. S'il y a des sollicitations de personnes qui ne vous plaisent pas, que vous ne sentez pas, vous avez le droit, voilà, de prendre le temps d'étudier la situation et de dire non. Donc là, on vous le rappelle quand même en carte conseil, n'hésitez pas à dire non et à vous positionner. J'ai l'impression que vous êtes aussi un peu là pour vous remettre au centre et vous voilà, et vous affirmer. Voilà, c'est ça le mot que je cherche, vous affirmer, c'est-à-dire non, je ne veux pas ça, c'est ok, oui, mais tu te rends compte, non, mais je m'en fous, moi, je veux pas ça, en fait. Voilà, moi, j'aimerais plutôt quelque chose de comme ça, en fait. Oui, mais là, tu devrais... Oui, non, mais ok, mais les conseilleurs sont pas les payeurs, hop, on next, on fonctionne pas pareil, on va pas courber les chines ou quoi, on va là où on va, mais on prend le temps de réfléchir, n'y allez pas en fonçant comme ça, en étant trop raide, les béliers non plus. Posez-vous, prenez le temps de réfléchir, ok, je vais étudier, ça me plaît pas, non, ça me plaît pas, bah ça me plaît pas, ça me plaît, ça, oui, bah ça me plaît, éventuellement, est-ce que je pourrais avoir plus de détails, vous comprenez? Voilà, on n'y va pas forcément en fonçant dedans. Conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans le royaume subtil, on vous dit que les guides sont là au-dessus, ils sont là pour vous guider, tout est juste et tout est synchronicité et tout s'orchestre parfaitement pour vous. Donc, il ne faut pas que vous en doutiez, d'accord? Vous allez tranquillou bilou vers votre mission de vie en détente. Et derrière, regardez, j'ai posé des limites et vous êtes en plein éveil, d'accord? Voilà, ne pas faiblir pour s'adapter, effectivement. On va aller voir avec l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Dawn et illustration de Célia Ménesville, qui est très très forte. Quels sont les messages de votre âme? Justement, vu que vous êtes en plein dans l'âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Persévérer. Votre âme vous dit de persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, on vous dit de continuer dans un chemin, de continuer à faire cette introspection, de continuer vers votre mission de vie, de continuer à avancer. Peu importe les épreuves, avancez, ne vous retournez pas, c'est ok, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Si vous n'y êtes pas, incessamment sous peu pour moi, vous allez être amené à prendre la décision de vous poser la question pour aller vers le bon chemin. Ça, c'est clair, vu les cartes, d'accord? On va vous y pousser, en fait, à vous poser les bonnes questions pour aller vers votre chemin de vie, quoi. Allez, on va prendre les portes de l'intuition pour aller voir quelle est la carte conseil, quel est le message, le choix. Bah ouais, ça ne m'étonne pas qu'on ait le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient.
Vous avez le choix de tout arrêter, vous avez le choix de continuer à avancer, de persévérer, vous avez le choix de vous équilibrer, vous avez le choix d'écouter votre âme ou pas, ce sont des conseils, moi je canalise des messages des guides, je vous dis ce que je ressens, vous avez le choix d'écouter ou pas. Chacun fait ses choix dans la vie et personne n'est là pour vous dire quoi que ce soit. N'oubliez pas que vous avez à vous positionner. Pour se positionner, il faut faire un choix et on a le droit de dire non. Voilà. Il faut juste assumer les conséquences de ses choix. Mais si on est aligné à son âme et qu'on sait que c'est bon pour nous, c'est OK en fait. Tout est OK quoi. La parole. Soyez en permanente bienveillance à votre égard et les autres en feront de même. Donc ça me dit aussi de ne pas vous dénigrer, de ne pas vous en mettre plein la gueule. Des fois on a tendance à dire ouais je suis nulle, ouais j'y arriverai jamais, ouais bah non. En fait non, ouais, je suis au top, je vais tout déchirer, c'est pump it up. Pour traverser ce mois, dans quelle énergie du tarot devriez-vous être ? Ouh, le roi de coupe. Bah, décidément, vous, c'est vraiment le roi de coupe et je vous conseille d'aller voir la carte du roi de coupe parce qu'elle est quand même tombée deux fois et vous avez beaucoup de coupes dans votre tirage, les béliers. Le roi de coupe, il est stable au niveau émotionnel. Donc, on vous dit qu'il va falloir être stable au niveau émotionnel. Il y a certaines personnes qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, derrière, j'ai le 5 de bâton. Les conflits, on ne sait pas ce qu'on désire. On doute au niveau de ses désirs. On ne sait plus à force, vous voyez. Donc, n'écoutez pas les gens. Moi, je vous donne des conseils. Encore une fois, je parle à l'impératif, mais vous faites comme vous voulez. Hein, ce n'est pas un ordre. N'écoutez pas les gens. Réalignez-vous. Soyez vraiment ancré et stable, fidèle à vous-même, intègre avec qui vous êtes. Vous avancez dans votre vérité d'âme. Et là, ça va vous aider à traverser le moi et tous les ennemis, les adversaires, tout ça qui vont être mis sur votre route, les situations du passé qui sont karmiques, qui reviennent. Vous allez pouvoir fonctionner différemment et vous en libérer et aller vers quelque chose de très chouette, les béliers. Donc, c'est cool. Vous êtes en plein processus. Effectivement, peut-être que ça continuera les mois d'après. Hein, on n'est pas toujours tout comme ça. Mais en tout cas, très beau tirage pour vous. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, likez, un petit like, ça coûte 2 secondes. Si tout le monde like, ça me fait monter dans le référencement. Un petit partage si vous connaissez des béliers ou autres. Et des commentaires, bien entendu. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous aurez les notifications des tirages quand ils arrivent. Et ça m'évite de les mettre sur 15 000 plateformes aussi. Voilà, je vous embrasse fort les petits loulous. Et puis, on se retrouve soit pour les autres signes, soit pour les tirages de la lune. Ciao, ciao.